Maube. En Guinée, pour le festival, Kané Maoula pleure son ami Stéphane Zabavi. Après la disparition de Stéphane Zabavi, l'acteur Serge Gras fait des révélations. Ce mardi, Showbiz reçoit Chantal Taïba. La reine du Matiko va se confier entièrement. Prends ton tabouret, assieds-toi bien. Showbiz commence de suite et maintenant. Le sage papouin a dit ceci. Ce n'est pas parce qu'une fille te regarde trop qu'elle est fond de toi. Peut-être que tu lui fais pitié. Papoua, papouase, papoué, bonjour. Que c'est beau et passionnant de partager des moments uniques, hein, des moments de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est notre culture principale et nous en sommes fiers. C'est moi, DJ Moulukoko, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Cuadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Allô? Yagbere. Allô? Yagbere. Et quand Yagbere? C'est comment? Mille. C'est combien? 1000 fois. Merci, cher papoua. Nous sommes là et il y a des paporisations. Vous avez raison, vous l'avez dit, c'est notre culture principale. Et nous allons dépaporiser. Mais avant, disons bonjour à madame la gouverneure de Barret City. Karina Stein. Bonjour. The Queen of Barret. Oh yeah. Veni, veni. Parti, parti. Dormi, dormi. À la maison. Va bien, va bien. Va bien, va bien. Vapeur de tchèp. Pouah. Ya, oui, ya. Ça va, Karina? Ça va, président, et toi? Ça va, magnifique, magnifique. Merci. Juste à côté de toi, Karina, oui, c'est elle dont toute la planète parle. Chie. Oui, la femme qui a le regard le plus impressionnant, le plus mocossant, le plus énervant, le plus ennuyant. My. Splendide. Ça va, Mimi? Oui, président. Il y a un soupçon de jaune dans ton vêtement. Oh, c'est pas du noir. Même. Hein? C'est là même. C'est dommage. Mais j'ai mis la chaussure bleue. Chaussure bleue. Tu es le stade Abidjan. Stade Abidjan. D'accord. Juste en face, monsieur Ozone Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par la sous-préfecture. Bonjour, Ozone. Bonjour. Tu pouvais-tu comment? Mais c'est mal, là. Ça va, là-bas. J'adore tes couleurs, Ozone. Merci. Oui, 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 elles sont magnifiques. Ça va bien? J'aime toujours tout ce que je porte. Oui, j'aime bien. Tu es fan? Oui, je suis un fan, je reconnais. C'est un fano. Je suis un fan. Tu veux que je signe un autographe? D'accord, en conseil de ministre. Alors, je veux profiter de ce plateau pour saluer des amis. Olo Jean-Alain, hein, je sais que tu me regardes. Fidèle Papoua aussi, merci pour ton amitié, cher frère. Et puis, que Dieu te bénisse. Et puis, je salue aussi des managers hein, qui ont aidé les artistes ici en Côte d'Ivoire qui se retrouvent désormais en Europe. Je parlais de Serge Pas, Roméo Zagadou, Armand Créole et puis vraiment toute la crème des managers. Vraiment, portez-vous bien les gars et puis je pense à vous. Ozone? Moi, j'aimerais dire merci et saluer un frère que tu connais, c'est le directeur général adjoint du Bureau ivoirien des droits d'auteur, M. Serge Apatou. Ouais. Hier, on a eu une séance de travail de 17h jusqu'à 22h sur les industries culturelles et créatives. On a partagé un moment de passion pour la culture et vraiment merci beaucoup, frère. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Ah. Alors moi, je vais souhaiter mes condoléances à Elvis Segond, que vous connaissez, qui a perdu son papa. Wow. Oh. Feu Monsieur Niagne, il s'appelait Feu Monsieur Niagne, professeur de mathématiques à la retraite. Mm-hmm. Voilà, hier, il m'a dit, je suis fidèle papa, mon papa vous aimait beaucoup, mm-hmm. Et j'aimerais qu'on lui fasse un clin d'œil. J'aimerais qu'on applaudisse. Bien sûr. Nascar, Mimi. Oui, moi, je salue une vieille mère qui est en France, Flavie Zéro Faute. Oui, elle connaît. Elle connaît. Oui, Flavie, Zéro Faute. Zéro Faute. Connais Flavie. Zéro Faute. Connais Flavie. Connais Flavie, Zéro Faute. Et puis, c'est l'anniversaire de Mariama Dumandé, le manager de Didi Yéman. C'est l'anniversaire de ma fille Mariam. Hein? Oui, c'est l'anniversaire de Mariam. Ah, c'est aujourd'hui. Ah, c'est le festival. Mais elle m'a Dumandé, là.
On finit un mal, vas-y d'abord. Bon anniversaire à Mariam Diomandé. Et puis, on est ensemble pour le concert de Didi et moi. On va en parler bientôt. Maintenant, Mariam. Bon anniversaire à Mariam, qui est ma fille. Ma nounou, qui est elle a oublié Mariam. Eh, ma fille, en fait, il priait tellement. Attends, appelez Imra. Appelez Imra. Aux autres, là, t'envoyer Imra. Parce que moi, je n'ai pas force de ça. En tout cas, prenez soin de vous. Oui, on pense forcément à toutes les personnes qui ne se portent, pas bien, à toutes les familles éplorées. Showbuzz vous envoie de la force. Hein. On vous soutient tous et puis prenez soin de vous. Alors, allô? Yeah. Et quand il y a Gberé? Il y a des vaporisations. C'est comment? Bien. C'est combien? Mille. J'ai déclaré c'est ouverte la 57e session de dévaporisation de la saison 4 de Showbuzz. Bonne chance. Aujourd'hui, sur le mur de la Papouasie, Kané Maoula, inconsolable suite à la disparition de son ami et frère Stéphane Zabavi. En Guinée, pour un spectacle, un festival, le comédien n'a pas pu cacher sa tristesse et contenir son émotion. On regarde. Skintich. Stéphane, je ne sais pas si tu es au courant. Et Amaris qui est sorti de prison. Marius qui était enfermé, il est sorti. Il était là-bas près de 3 semaines. Je voudrais que tu saches que tu as gâté dans ce jour, en Guinée. On a gagné pour un festival. Et tu as... Chaque fois qu'on est, on se déplace, André et moi, on est dans la voiture et on souffle. On a des soupirs. Tu vois? Tu vois, les gens, on est assis. Et après quelques temps, on est là. En fait, c'est à cause de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Tu nous as devancés. Nous a dévancé, on va tous passer par là. On va tous passer par là. Nous, on continue de se battre quand on peut. On continue de se battre quand on peut. On continue de se battre quand on peut. Pour faire avancer le cinéma. Pour faire avancer le cinéma. Peut-être que tu sais pas, mais Marie s'est sorti. Marie s'est enfermée pendant la semaine, elle est sortie. Et il y a les événements qui se passent. Et André et moi, on est en Guinée pour un festival. On peut même pas faire le yaya, on peut même pas poster. On peut même pas poster. Les gens ne reçoivent bien. Voilà, Kané Maoula. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires qui dire que Kané Maoula n'avait pas besoin de faire une vidéo pour montrer que la mort de Stéphane Zabavi le touche. Alors, est-ce que vous partagez cet avis, Karina? Moloukoukou, quand tu n'as pas encore traversé quelque chose, il ne faut pas juger la manière dont la personne vit la chose, d'accord? Et puis, on ne juge pas la douleur des gens. Je crois qu'il a mal, il exprime ce qu'il ressent. C'est vrai, il a peut-être pris son téléphone, s'asseoir, pleurer, enregistrer et puis poster sur Facebook. Il sait où il a enlevé la force pour le faire. Mais je pense qu'ici, là, Kané Maoula exprime ce qu'il ressent. Il exprime et il y a des gens qui souffrent, qui ne veulent pas, qui veulent partager ça avec des gens qui les regardent sur les réseaux sociaux. Il sait, c'est un grand garçon. Quand il s'est filmé et puis il a mis sur les réseaux sociaux, il savait que les gens allaient faire de mauvais commentaires. Il savait, il s'attendait à ça, mais il a mis parce que c'est ce qu'il ressentait. Il a géré ses émotions comme il pouvait. Il s'est exprimé et voilà. On ne juge pas la douleur des gens. D'accord. Voilà. Mimi, tu penses la même chose? Oui, président. Les gens n'ont aucune idée de ce que Zabavi représentait pour Maoula. Ils ont eu à partager beaucoup de choses, à souffrir, à être humiliés dans des tournages, à avoir des rêves. C'est son frère. Quand il a commencé à faire la vidéo, il a dit.
Il a dit Marius est sorti. C'est quelqu'un qui connaît, qui est sorti de prison. Peut-être que Stéphane savait. C'est comme s'il était en train de lui parler. Il y a Marius qui est sorti. Ici, on est en Guinée, les gens prennent soin de, ils prennent soin de nous. Les gens nous traitent bien. Il y a au moins combien de voitures qui... Comme s'il donnait les nouvelles de ce qui se passait derrière lui. Faire, on ne peut même pas publier parce qu'on a mal. Tu es où? Il pleure son ami. C'est sa façon à lui de pleurer. Il n'a pas, quand il commençait à faire la vidéo, il n'a pas commencé à pleurer. C'est au fur et à mesure quand l'émotion, les trucs ont commencé à monter qu'il a pleuré. C'est tout à fait normal. Pleurer ne veut pas dire qu'on est faible ou qu'on est en train de se faire voir. Le gars en train de pleurer son ami, les autres là, ceux qui ont mis les commentaires, donc à fuir. D'accord. Merci Mimi. Aux Afrique, Bamba, est-ce que bon, c'est ce que certains commentaires disent, hein, que Kané Maoula n'aurait pas dû faire une vidéo pour exprimer sa tristesse et tout ça. Est-ce que tu partages cet avis? Ben, il faut comprendre, hein, ceux qui disent ça, parce que les posts, photos, vidéos et publications sur les réseaux sociaux, les commentaires, les appréciations diffèrent. Donc, il faut les comprendre. On ne peut pas faire l'unanimité, tu vois. Et puisque Kané Maoula a fait, en vrai, il s'est adressé à Stéphane Zabavi, à son ami et frère Stéphane Zabavi. Quand tu regardes bien depuis la mort de Stéphane, les gens font des publications en s'adressant à Stéphane. Tu es parti trop tôt, pourquoi tu as fait ci, pourquoi c'est... Il s'adresse à Stéphane, mais ce n'est pas écrit. Alors lui, il a décidé de le faire à travers une vidéo. Et dans la vidéo, on voit les émotions. Alors que dans l'écrit, ceux qui écrivent là, ils peuvent être en train de le faire en pleurant, on ne le saura pas. Ils peuvent être devant une bière en train d'écrire, on ne le saura pas. Sauf que lui, il l'a fait dans une vidéo. Donc on voit l'expression de son visage, il pleure, ça se voit tout de suite. Il l'a fait et dedans... Il n'y a pas que ces émotions-là, il n'y a pas que ces larmes, il y a aussi un message. Pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il y a un message qui est clair. Il a parlé de la fraternité des peuples africains. Il a dit qu'ils sont allés en Guinée, ils ont été très bien accueillis. Il a parlé de politique, comment le cinéma n'a rien à faire dans la politique et vice-versa. Il a dit ça dans la vidéo un peu plus tard. Donc, je pense qu'il n'a pas fait la vidéo pour pleurer. J'imagine que les pleurs sont venus avec l'émotion qui monte et tout, parce qu'après, quand tu parles du décès de quelqu'un, tu n'as pas forcément envie de pleurer là devant tout le monde, mais tu ne contrôles pas tes émotions. Donc, il faut qu'on soit un peu indulgent avec lui. Et il a même dit qu'on va se battre pour faire avancer le cinéma. Oui, c'est ça. Ouais, mais bon, vous avez tous raison. Hein. Je pense qu'il faut respecter la douleur des uns et des autres. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que il y a certains qui sont mieux placés que d'autres pour donner la conduite à tenir. Il y a d'autres qui sont, il y a d'autres qui vous disent ce que vous devez faire devant telle situation. Mais écoutez, on n'a que faire de tout ça. Le gars, il est dans ses émotions, il s'exprime. Il faut que les gens s'expriment. Le stress, ça tue. Tu ne peux pas parler à quelqu'un, tu ne peux pas t'exprimer, ça peut te tuer. Donc tu t'exprimes, pleurer ça fait tellement de bien, tu pleures et puis après, il pleure, pardon j'ai un crapaud dans la gorge, il pleure un être cher. Donc pourquoi vouloir spéculer type ou non, il n'aurait pas dû faire une vidéo, qui vous êtes pour dire ce que les gens doivent faire? Bref, il y a aussi dans une vidéo, hein, il y a comment il s'appelle, Kané Maoula qui a parlé à Stéphane, comme s'il faisait le point de ce qui s'était passé. Alors, certains pensent à une dépression de sa part. Est-ce que vous pensez la même chose, Karina? Non, ce n'est pas une dépression, mais c'est beaucoup de choses qu'il ressent. Il a dit que déjà, il n'est pas à Abidjan. Il n'est pas à Abidjan. Je crois qu'il a dit qu'ils sont en Guinée ou non, je ne sais pas. Ils sont à Conakry. Et dans son dos, il perd son ami. Il n'est pas, tu sais, quand tu es ailleurs et puis tu perds quelqu'un, tu n'es pas là. Ça fait deux fois plus mal. Et je pense que c'est juste qu'il souffre beaucoup de être là, sur place et tout ça. Aujourd'hui, tu penses la même chose? Mais non, je ne pense pas ça systématiquement, mais faisons attention. Parce que Kané, ce n'est pas un gosse de 17 ans. À son âge, s'il réagit comme ça, ça veut dire qu'il est très, très, très touché. Donc, il ne faut pas le laisser seul. D'accord. Mimi? Maoula est très fort. Seulement qu'il est tenté de pleurer son ami. Il est très fort. Je pense que dans ses pleurs, c'est comme s'il pleurait pour lui-même. Vu la difficulté qu'il y a dans ce milieu-là, ce milieu artistique, ce milieu d'acteur, ouais. Il pleure pour ça. Il me dit, on va continuer à se battre pour le cinéma. Mais
pour Maola qui a eu des centaines de trophées, qui a été, c'est-à-dire que Maola, il n'y a pas un seul film à succès où Maola n'a pas figuré dedans. Quand un film ou une série marche, Maola est dedans. Mais s'il dit qu'il continue à se battre pour le cinéma, c'est qu'il y a quelque chose, c'est vraiment difficile. C'est difficile, pour apporter un peu d'eau à ton moulin, je pense qu'il a exprimé autre chose que le décès de son frère. Parce que c'est deux compagnons de lutte. Voilà, c'est deux compagnons de lutte qui ont combattu pour faire avancer le cinéma. Et il pleure la douleur, ce qu'il ressent. Hein, le cinéma, ils ont connu forcément des difficultés. Ils connaissent des difficultés dans le cinéma et c'est tout ça qu'il pleure, c'est tout ça qu'il décrit. Alors, toujours concernant la disparition de Stéphane Zabaville, il y a l'acteur Serge Gras qui a fait des révélations. Il dit en substance, je vous lis, « Certains avaient décidé de ne plus tourner avec toi. Tu me parlais des difficultés dans le métier. Ou fallait-il faire la courbette à certains réalisateurs pour avoir un rôle ? Hélas, il y en a pour qui le talent seul ne suffisait pas, le Jojo. On a étouffé ton talent par notre méchanceté. Un acteur s'en est allé, sans même bénéficier du fruit de son talent. On nous paye en je m'en fous. Pendant que vous vous roulez dans de gros cylindrés, vous cherchez nos femmes, tout ce que vous voulez, c'est qu'on soit vos repéros dans le cinéma. Certains même, tu finis de tourner, ils vont te donner un chèque de 75 000. Ah, chèque! Pourtant, les chiffres de vos budgets de films explosent. 200 millions, 300 millions, mais l'acteur principal a 2 millions, souvent 1 million. Si tu es une femme dans le milieu, tu es un peu sauvé. Mais garçon, dans le cinéma, ton yaku, parce que tu vas souffrir au fond, mais à l'extérieur, tu dois rêver, tu dois faire rêver. Voilà, c'est signé Stéphane et Serge Gras. Alors, ça vous fait quoi d'entendre ça, Karina ? Ça me fait beaucoup de peine parce que Stéphane vivait, on avait beaucoup de révélations sur lui. Il y avait une vidéo même qui traînait sur les réseaux sociaux où on disait qu'il y avait des gens qui se sont mis ensemble pour s'asseoir sur son talent, pour lui faire des blocages qui l'ont fermé. Après, c'est pas avéré, ça, c'est pas avéré. Voilà. Donc, l'entendre parler comme ça, c'est comme si Stéphane vivait beaucoup de choses. Et lui et les acteurs, d'accord ? On est d'accord. Il a mal aujourd'hui, il explique ça parce qu'il sait que dans le cinéma, il y a tellement... Et moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à parler de ce qui se passe dans le showbiz 7, mais que dans la musique. Je ne savais pas que dans le cinéma aussi, là, il y avait ce genre de choses. Il faut dire que la vie est vraiment dure. Mimi. Oui, Président, c'est très clair ce que Segra vient de dire. Concernant les difficultés qu'il y a dans le cinéma... Moi, je me rappelle de cette histoire où Stéphane était dans une série, je pense. Hein, il a tourné même quelques épisodes et puis après, il a été remplacé par un autre acteur. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent de refuser des rôles. C'est-à-dire, dans ce milieu, quand tu veux trop parler, quand tu veux trop revendiquer, on te remarque et souvent, on te ferme. Parce que... Genre, te blacklist. Voilà, toi, quoi qu'on dise... Les listes noires. Ici, il n'y a pas beaucoup de producteurs en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de lancer la pierre à quelqu'un, mais il n'y a pas beaucoup de producteurs. Et certaines personnes qui ne sont pas reconnues dans le milieu, quand ils veulent se faire connaître, ils acceptent des miettes. Ils acceptent... Je te dis qu'ils acceptent des miettes. Toi qui viens, tu discutes trop, on te met de côté. On se dit, toi là, c'est toi qui sais trop parler. Il y a Serge Gras aussi qui a dit dans son truc que souvent, on fait rêver, mais on n'a pas. On nous donne 75 000 en chèque. C'est réel. Ouais. 75 000 en chèque, c'est réel. On fait rêver. Je te jure que Maola qui a figuré dans plusieurs films, je mets ma main au feu, qui n'a même pas une maison, ni un seul terrain. Ça, je te le dis. C'est juste pour paraître. Ça, moi, je te le dis. Je suis sûre qu'il n'a pas tout ça. Et c'est dommage. Dans beaucoup de films, on te donne des rôles où tu fais rêver les gens, tu as de grosses voitures, ça va. Mais dans ta vie réelle, c'est difficile. Tu souffres. Il faut que les choses changent. Pour information, Mimi est elle-même actrice de cinéma, artiste chanteuse. Donc, elle sait au moins de quoi elle parle. Mimi Blonde. Bonjour, Afrique Bamba. Oui, ça te fait quoi d'entendre ça? Toutes ces révélations. Bon. Moi, je vois un ras-le-bol. Un ras-le-bol et beaucoup d'amertume dans ce qu'il a écrit. Il a dit des choses très graves. Quand vous cherchez nos femmes, vous nous payez un chèque de 75 000, vous roulez dans des gros cylindrés et dévoile même le prix des productions. Le prix de production qui varie entre 200 et 300 millions. C'est vrai qu'on dirait, on va dire qu'à l'échelle du cinéma mondial, c'est pas terrible. Je veux dire, c'est pas la plus forte somme, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Tu vois. Et ça lui fait mal et tu sens qu'il était très proche de Stéphane. Donc, il a décidé de faire des révélations comme ça et de sensibiliser en même temps. Et franchement, c'est triste de dire ça. On pouvait se demander, mais pourquoi c'est maintenant qu'il fait la sortie? Oui, parce qu'il en a marre. Tu vois, si tu veux, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
cette situation de voir un frère, un confrère partir sans bénéficier des fruits de ses, avec tout son talent. Tu vois, Stéphane, tu sais Stéphane, on se parlait pas beaucoup, mais les rares fois on se rencontrait dans les cérémonies, parce qu'on se rencontrait parfois dans les cérémonies du Tonkpi, parce que lui il est originaire de l'Ouest aussi. Parfois, à demi-mot ou de façon subtile, il avait tendance à exprimer les difficultés qu'il vivait lui-même personnellement. Il était quoi, introverti? Pas de façon générale, oui, beaucoup. Pas de façon générale, parce que c'était quelqu'un de très fort, donc il ne voulait pas tout de suite faire... Laisser transparaître lui-même ses difficultés, tu vois. Donc je pense que Serge Gras a voulu profiter de ce départ brusque pour dire des choses. Ou alors peut-être des acteurs sont silencieux parce que, au risque de se faire fermer, parce que s'ils parlent, déjà, ils sont nombreux sur la place. Ils sont nombreux. Oui. Et les places coûtent cher. Donc si tu parles, déjà même si tu n'es pas à quoi aller quelque part, tu parles, on va te jeter. On te ferme. Alors, dites-moi, que peuvent les acteurs pour sortir de cette situation morose? S'unir. Et puis ne pas faire l'égoïsme. Certains acteurs, ce sont eux qui ferment d'autres acteurs. Quand tu essaies de revendiquer quelque chose, mais tu essaies de te donner de la valeur, comme quoi tu veux qu'on te donne un prix que tu mérites. L'autre dit que tu es gonflé, l'autre dit que non. C'est pourquoi c'est toi qui veux cette somme-là. Il faut que les acteurs soient unis. Il faut que chacun arrête d'être un peu égoïste. Voilà, c'est tout. Mimi? Oui, selon toi. L'union, comme Karina l'a dit, mais une chose est claire, certains acteurs disent que c'est dans la production qu'il a l'argent. Mais tout le monde ne peut pas produire. Un acteur qui a souffert au début de sa carrière, qui a accepté de faire des sacrifices, doit pouvoir vivre de son art. Quand tu l'appelles pour tourner un film, souvent, il y a des producteurs qui viennent et te disent, on va faire un épisode zéro, on va se tourner quelques épisodes. Quand ça va marcher, je vais... Et quand ça marche, ils changent carrément d'acteur, ils ne t'appellent plus. Il faut que tout ça, ça change. Il faut que les acteurs essaient de créer une sorte de syndic pour fixer un certain quota. C'est-à-dire, quand tu as un rôle d'acteur principal, il y a le prix que tu donnes. Quand tu as un rôle second ou bien figuration, il y a le prix que tu donnes. Vous pensez qu'ils ne sont pas régis en syndicat? Non, c'est trop désordonné. Souvent, quand tu veux parler, on te dit, toi, si tu parles, on va appeler l'autre. En plus, elle est plus belle que toi. Et puis, elle vient prendre moins. Parce qu'elle a envie de se faire voir à la télévision. D'accord. Tu comprends? Mais toi, tu dois vivre de ça. Combien de fois? Tu finis de tourner un film, après ça, là, 6 mois après, tu ne tournes pas, tu vis comment? Tu payes ta maison comment? La plupart des acteurs chez qui ça va ont quelque chose d'autre qu'ils font à côté. Mais quelqu'un qui consacre sa vie à vouloir être un acteur, vivre de ça, il fait quoi? Chacun n'a pas la même chose. C'est pour ça que vous êtes venus nombreux en Papouasie, c'est pour que je m'occupe de vous. Voilà ça. Ah, okay. On fait comment? Je ne vais pas continuer comme ça à vous nourrir. Il faut que vous vous débrouillez. Ozone Afrique Bamba. Mais en vrai, il faut savoir qu'ils sont organisés. Ils ont une association. Kane Maola en est le président. Mm-hmm. Et ce qu'il faut, justement, pour changer cette situation, il faut juste renforcer leurs actions. Il faut juste qu'ils sensibilisent. Il faut qu'il y ait de la communication. Voilà, il faut qu'il y ait beaucoup plus de com. Mm-hmm. Et justement, il faut qu'il y ait même de la com sur leur association qui existe bien. Ils font des réunions, ils font des rencontres. Il faut renforcer tout ça, tout simplement, et passer à deux. Et prendre des décisions fermes. Voilà. Stéphane Zababi, merci pour tout ce que tu as apporté pour le 7e A ivoirien. Merci pour tout. Que ton âme repose en paix. Merci, merci, merci. En tout cas, prie pour tes frères et sœurs ici, pour que les choses changent positivement dans le cinéma. Dans un instant, nous allons recevoir la reine du Matiko. Elle, c'est Chantal Taïba. Elle va se confier à nous. On va parler de sa riche carrière. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Posez-lui toutes vos questions dans le live et Facebook de l'émission. Et puis, elle va vous répondre après l'émission. On marque la première pause et on revient juste après. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz, il est temps de recevoir notre invitée du jour. C'est une très belle dame, une artiste pour qui on a beaucoup de respect. Elle traverse les époques et les générations. On l'appelle la reine du Matiko. Cher Papoua, on dresse au tapis rouge pour Chantal Taïba. La reine du Matiko est avec nous aujourd'hui. Cher Papoua, parmi vous, qui s'est lancé le Matiko? Non, les femmes, vous levez la main. Ouais, ouais.
Ok, d'accord. Donc, ça sera tout à l'heure dans Gâte le coin. Chantal Taïba, bienvenue en Papouasie. Merci. C'est un honneur pour nous de te recevoir. Oh, l'honneur est plutôt pour moi. D'accord. Avant de poursuivre, quel est le secret pour se maintenir en forme? Toujours belle. C'est quoi Merci, le secret? C'est la grâce de Dieu. Ouais, ouais. On va dire ça. C'est la grâce de Dieu. On va retenir ça. Alors, puisque tu es là, oui. Tu seras face à 4. Tu dois nous promettre oui. de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Je le dire, non. Oh. Oh. La communauté papouasse s'agrandit. Alors, Chantal Taïba, la première question que j'ai envie de te poser, c'est où tu te caches? Tu te caches où, au juste? Je vis en Normandie, en France, hein? Depuis 11 ans, on va dire. Wow. 11 ans? Oui. La Côte d'Ivoire, tu... Non? Non, je viens souvent, la preuve. Non, tu peux rester chez PLS souvent là-bas? Ouais, c'est possible aussi. D'accord. Karina? Chantal Taïba, moi, j'aimerais te demander, franchement, pourquoi tu nous as abandonnés, nous, tes fans? Moi, il faut te matiquer. Même je bleu blanc, là, c'est matico. Ah ouais? Oh, mais je sais que tu reviens sans. Hein, pourquoi tu nous as laissé, nous, non, tes fans? Non, je ne vous ai pas abandonnés. C'est... Bon, j'ai eu quelques soucis de santé. J'avais eu une triple fracture ouverte à la jambe. Wow. Et ça s'est un peu mal passé. Donc, je suis allée en France pour avoir de meilleures conditions de... Enfin, tu fais des arts martiaux? Non, j'ai fait une chute dans les escaliers. Oh. Aussi... Comme ça? Voilà. Wow. Comme ça. Donc, il faut faire attention pour vous qui avez des escaliers à la maison. Ça, ouais. Ah, tu as compris. Il faut déjà celle-là, c'est un escalier. Vous avez compris. Ça va, j'ai compris, en fait. J'ai compris l'escalier. Chantal Taïba. Oh, t'as 10 escaliers. Chantal Taïba, il y a une vidéo que je vais te montrer. D'accord. Alors, Madame la sénatrice, oui. Avec tout le respect que je vous dois, vous permettez, je vais poser une petite question avant oui, que vous... Oui, c'est à vous le président. Alors, Chantal Taïba, ça c'était en quelle année? 1984. D'accord. Il y en a qui étaient venus parler. Mais non. Voilà, clair. Mais non. Moi, en fait, moi, j'ai un problème avec le réalisateur du clip. On peut mettre maman de quelqu'un au milieu du stade comme ça? Au plateau. En plein plateau? Mon Dieu, donc 1984. Oui, 1984. Et ça, c'était quel jour? Ça, c'était un montage, hein. J'étais pas vraiment au stade. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Il avait de l'imagination. Oui. Maintenant, la série sur le gâteau, c'est la robe. Comment? J'ai une histoire. J'ai oui? une histoire concernant cette robe-là. Après la canne et tout, j'ai donné la robe à ma petite sœur. Ouais. Donc, un jour, elle a porté et puis elle allait, je ne sais pas où, là. Tous les enfants étaient derrière. Aïe, aïe. Mais... Est-ce que... C'est la robe. qui a cousu la robe? Il s'appelait Cissé. Cissé de... Cissé, il était à Trècheville. Ah. C'est lui qui cousait. Non, c'est ça, Diafoul. C'est un rose. Mais là, dans quel salon tu as fait la coiffure? Ça doit être chez Maza. Maza Coiffure à Cocody. Il y a 24 ans quand même. Hein. D'accord. Maintenant, pour la chaussure. La chaussure que tu as portée là, c'était... Pourquoi? Je la vois même pas. Moi, j'ai vu, c'est passé un peu. C'est ma quota. Ça, c'est... Bon. Je sais plus, bon, okay. Ça fait trop longtemps. D'accord. Mimi. Alors, Chantal Taïba. Oui. Quels sont les souvenirs qui te reviennent quand tu revois cette vidéo? D'abord, cette chanson, c'est ma carte d'identité, hein, sur le plan musical. Parce que chaque artiste commence avec quelque chose qui lui sert, en fait, de carte d'identité pour se présenter. Et cette chanson, c'est vraiment elle qui me représente le plus. Et ça a été un très beau souvenir, Côte d'Ivoire 84, parce que c'est cette chanson qui m'a révélée
au public. Ce n'était pas la première version. La première version est sortie en 83. Mmh. Et ah, c'est quoi grave même. C'est un continent voilà, derrière son voilà. Je, justement, tu parlais de, on parlait d'histoire. Tu as parlé de 24. La vidéo a plutôt 40 ans. Ah. 40 ans. 1984, ah. 2004, ça fait 40 ans. Oui, 40 ans. 40 ans. J'ai pensé 40 à ans. Jour, 40 ans. Donc, en fait, je regardais Ayossé, mais je pensais le jour. D'accord. C'est vrai. Alors, moi, je veux connaître l'histoire d'Ayo. Est-ce que c'est toi qui compose et qui a arrangé? Dans quelles conditions? Je veux savoir un peu. Mm-hmm. En fait, avant de devenir chanteuse, je jouais au basketball avec Christine Inago. Bon, vous qui n'étiez pas née là, vous ne la connaissez pas. Elle a performé dans le basket. Et je n'ai pas percé là-bas. Mais en allant pour les compétitions, il fallait mettre de l'ambiance dans le stade. C'est comme ça que... Ah non, dans le car, pardon. Uh-huh. Et c'est comme ça que j'ai composé cette chanson. Et c'était la chanson d'ambiance pour l'équipe quand on allait compétir. Uh-huh. Et comme elle mettait vraiment de l'ambiance, quand je suis devenue chanteuse, je me suis dit, bon, ben, pourquoi ne pas sortir cette chanson? C'est un classique, un grand classique. Ah. Oui. Et dans ton parc, et qui a arrangé déjà Assalé Best, père à son Best. Âme, qui était le chef d'orchestre de la RTI. De la RTI. Oui. D'accord. Et tu as commencé avec pas mal d'artistes déjà, avec François Lougain. En tant que choriste. En tant que choriste, parce que je suis rentrée à l'orchestre en tant que choriste, et on avait l'avantage d'accompagner tous les artistes qui passaient à la télé, puisque c'était l'orchestre de la télé. Tous les artistes qui devaient passer à la télé. On a commencé au début des années 80. Hein. Okay. Okay, d'accord. seulement. Mais... Vous n'allez pas laisser la femme avant le basket, c'est ça? C'était avant le basket, finalement. Le basket, oui. Le basket, c'était juste après, en fait. Non, avant. Avant. Okay. L'école primaire. Je regardais les vidéos, je voyais derrière ces grands artistes-là, François Lougain, Bailly, et tout ça. François Lougain, Myriam Makeba, Letamboulou, tous les artistes qui étaient de passage en Côte d'Ivoire, on avait l'avantage de les accompagner. Et il y a un papouin qui dit que l'émission est plus âgée que lui, que lui va s'asseoir. L'émission est plus âgée que lui, donc... Non, alors, Ozone Afrique Bamba, oui, c'est à ton tour. Alors, si je ne me trompe pas, à l'époque, on t'appelait la lycéenne de la musique ivoirienne. La collégienne d'abord. La collégienne. Oui. La collégienne d'abord, oui, et après la lycéenne. La lycéenne. Ah, c'était quoi le concept? Tu étais à l'école quand tu faisais la musique ou... Non, pas du tout. En fait, c'était mon style juvénile. Parce que quand je suis venue à la chanson, chacune avait son style. Aïcha, c'était les boubous. Voilà, chacune avait son style vestimentaire. Et moi, pour me démarquer, voilà, je m'habillais. Mais, hey, Saint-Tiche, arrêtez ça, hein. Et donc, ça, c'est Aïcha qu'on est à côté. Voilà. Et puis, toi à côté aussi. Oui, maintenant, toi. Là, tu faisais quoi là? Où elle est allée chercher? Ça, c'était à Marcory, quand j'étais à l'école primaire. Waouh. Je n'étais même pas chanteuse. Où elle est allée chercher ça? Ça, c'est Poutine, hein? C'est Poutine. Et ça te rappelle quel souvenir, ça? Oh, ça me rappelle beaucoup de choses. À Marcory, on avait un groupe de filles qui s'appelait les Anges Noirs. On organisait des booms. Le boom. Les booms avec... on faisait les clôtures, les palmiers, là. On faisait les booms, clôture, là. Voilà. On se cotisait et puis on faisait chez chacune de nous. Vous cotisiez combien? Demande à ton papa. Ah, des fois, 500, 300, 200. Mais vous étiez des debouts avant. Des debouts, 500 à l'époque, c'était beaucoup. Hein. Oui, mais c'est sur une période. Hein. Ah. C'est-à-dire, on une année comme ça. Les vacances. Une année 500. Hein? Une année 500. Mais est-ce qu'à cette époque, tu savais déjà ce que tu voulais faire? Oui. Oui. J'allais être chanteuse. Ça, c'était certain. Ah ouais? Mais... Moi-même, je voulais être journaliste. Ça, c'était mon choix. Mmh. Je voulais être journaliste, mais je savais parce que à la maison, quand mes petits frères avaient des bobos, je chantais pour les consoler ou à l'école. Ouais. Donc, à chaque fois, chacun me disait « Ah, Chantal, tu as une belle voix. Chantal, tu as une belle voix. » C'est pour ça que quand j'ai voulu me lancer, je suis venue directement à la RTI. Mmh.
C'est-à-dire, avant la RTI, je n'avais chanté nulle part, ni avec une guitare, ni rien. Et c'était quel genre de chanson pour consoler tes frères? C'était quel genre de chanson? Oh, les chansons des enfants. Pour, voilà, quand ils avaient un bobo, ils pleuraient. Parce que moi, quand Karina, parce qu'elle elle a des bobos comme ça, moi, je chante Biama pour la remettre, je sais pas. Pour la remettre. Et ça la calme. Mais on est aussi. Angolo. Angolo, comment tu fais ça? Donc là, c'est calme, tu vois. Donc, les chansons d'enfants et tout ça, et puis. Oui, et puis. En fait, à force d'entendre Chantal, tu as une belle voix, tu chantes bien, je me suis dit un matin, je vais à l'orchestre de la RTI, c'est des professionnels, ils vont me dire si j'ai une belle voix, je me lance, s'ils me disent que c'est négatif, ben j'abandonne. C'était quoi la chanson d'enfance là? On dirait que dans la chanson d'enfance, tu as une belle voix. C'est quelle chanson? Ça faisait quoi? Je me rappelle encore. Tu as oublié. Ça fait trop longtemps. Ah, Mimi, c'était Benjamin. Le Tinelec. Alors, Chantal, j'imagine que ça n'a pas été facile pour toi dans la musique. Tu as certainement connu des difficultés. Quelles étaient tes plus grandes difficultés? Mes difficultés, le plus dur, c'était déjà d'être acceptée sur le plan professionnel. Alors qu'en amont, il y avait le problème des parents à affronter. Mm-hmm. Parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas d'eux. La musique dans leur famille, en fait. Comme pour beaucoup de parents. Ils voulaient pas voilà, entendre parler de musique et tout ça. Et quand j'ai pu trouver une place au sein de l'orchestre, quand j'étais persuadée que j'allais être embauchée, ben, j'ai affronté mes parents. Ils m'ont dit, tu as un choix à faire, ou tu arrêtes la musique, tu restes à la maison, ou tu ne fais pas la musique, ou tu choisis la musique, pardon, et tu t'en vas. Et tu pars. Et un soir, je suis allée aux répétitions, je suis revenue. Mes parents ont pris mon petit baluchon, donc j'étais dehors. Wow. Et tu as fait comment? Et moi avec, j'ai pris mon baluchon sur la tête et puis je suis allée chez Jeanne Animel. Jeanne Animel, qui habitait Yopougon comme moi. Voilà. Je suis arrivée chez elle, son gardien était étonné. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il faut réveiller ta patronne. Mes parents m'ont chassée, je ne sais pas où aller. Et puis quand elle s'est levée, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ah, mes parents m'ont chassé, ils ne veulent pas entendre parler de musique. Et moi, je veux faire la musique parce que je sais que j'ai ce don et que je vais réussir dedans. Elle dit, ah, il y a place, voilà une chambre, il faut prendre la chambre. Tu vois. Mais qu'est-ce que les parents trouvaient avant dans la musique? Pourquoi la plupart des parents refusaient que les enfants fassent de la musique? Parce qu'il y avait beaucoup de non-dits ou de... Ils avaient peur, en fait. Ils disaient la musique, il y a trop... Il y a tous les vices là-bas. Il y a, voilà, il y a peut-être la drogue, le sexe en désordre. Il y a plein de choses. Mais ça, c'est des idées préconçues. D'accord. Tu voilà. Dans la musique, il y a aussi, tu as eu des difficultés avec tes parents à entrer dans la musique. Quand tu es rentré dans la musique, tu as eu des difficultés aussi à t'imposer, tout ça dans la musique. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation a changé? Quand tu évolues en solo, tu fais tes choix. C'est toi qui décides de qui t'entoure, de où tu veux aller. Voilà, c'est... Évoluer en solo, c'est-à-dire que tu t'auto-produis, c'est ça? Oui, ouais, oui. Ça fait des années maintenant que je m'auto-produis. Mais avant, c'était quoi la différence? Avant, c'était quoi les... Quand tu as un producteur, il y a des choix qui te sont imposés. Oui. Oui, tu n'as pas toujours le choix sur tes chansons, sur la façon dont tu veux faire les choses. Il y a toujours un avis contraire à ce que toi, tu veux. D'accord. Mais bon... Aujourd'hui, ça va. On se gère avec. On se maintient. Chantal, voici ce que les papouas pensent de toi. D'accord. Taïba, elle chante bien, j'aime ses chansons. En tout cas, je l'aime bien. Il y a très longtemps, je l'ai vu parce que moi, je l'ai suivi en étant très petite. C'est une très bonne artiste qui nous a bercé depuis notre enfance. Oh, c'est une vieille mère que j'aime beaucoup. Elle est bien. Elle nous a bercé, elle a chanté avant même notre naissance. Jusqu'à présent, on continue toujours d'écouter sa musique. Avec sa chanson, Ayo, Ayo, Ayo. C'est une artiste qui chante très bien. Ses sons sont toujours à la mode malgré des années passées. En tout cas, elle est toujours d'actualité. Sa carrière est vraiment était très bonne. Parce qu'elle a duré dans le temps. Bon, sa voix, sa manière de prester quand je suis saine, j'aime ça. Sa maturité, bon, façon elle fait danser, elle fait, bon, égayer quoi.
sa manière de se tenir sur scène, ses chansons aussi, les textes, la mélodie, tout, en quelque sorte. Ces musiques que j'écoutais, c'était des musiques ambiançantes. Voilà, et puis je me dis que jusqu'à présent, elle a toujours son même talent. Voilà, réaction. C'est gentil, c'est des paroles gentilles, touchantes. Ah. Ça va. D'accord. Mimi? Oui, ouais. Quels sont tes rapports avec la nouvelle génération de chanteuses? Est-ce que tu es proche d'elles? De chanteuses? Oui, la nouvelle génération. Oui. Je parle avec Roselyne Layo, avec José, Sarah Lise, Sandia Chouchou. Mm-hmm. Ça va. D'accord. Ça va. Aux autres? Tant qu'il y a le respect, tout va bien. C'est bien. Avant qu'on poursuive, je voudrais qu'on regarde cette vidéo. Chantal, tu as déjà vu cette vidéo avant aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te fait? Plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce que dans les autres pays, dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Les nouveaux artistes interprètent les anciens avant d'être validés. C'est quand tu as interprété une chanson d'une ancienne ou d'un ancien. En France, partout, c'est comme ça que ça se passe. Les nouveaux artistes, quand ils viennent, ils interprètent du Edith Piaf et tout ça. C'est comme ça que... En concert. Voilà, même sur des albums. Mais c'est ici que c'était une honte. On avait honte de reprendre la chanson de quelqu'un. Alors que non, ce n'est pas une honte, au contraire. Et j'ai été très heureuse de voir José franchir le pas. Elle a bien géré son histoire parce que l'information n'a pas fuité du tout. En général, quand quelque chose se passe autour de toi, il y a quelqu'un qui te dit « Ah bon, il y a ça qui se prépare ». Mais avec José, l'info n'a pas fuité. Est-ce que tu savais qu'elle allait faire cette interprétation? Mais c'est ce que je dis, l'information n'a pas fuité. Je n'ai pas su. C'est le matin, j'ai vu plein de messages. Il y a quelqu'un qui m'a réveillée même, qui a dit « Ah, on était au concert de José, elle a repris ta chanson ». J'ouvre mon portable, tous les messages, les vidéos. Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle réalise depuis maintenant longtemps? José, qu'est-ce que tu penses de ses performances, de ce qu'elle a réalisé? Merci Skintich pour le soir. Merci Skintich. C'est normal, elle a appris. Hein. José a appris. Elle n'est pas, c'est pas sur un coup de... C'est pas un coup de chance, en fait. Elle a appris le métier petit à petit, dans les piano-bars et tout. La formation, il n'y a rien de tel. Mmh. Il faut se former. Et quand tu es formé, tu... Ça coule des choses. Voilà, tu peux performer dans tous les styles et puis être... D'accord. Avoir du répondant, quoi. Super. Et ces filles-là, elles se sont formées. D'accord. Effectivement. Karina. Je vais te montrer des photos. Tu vas t'adresser à chacune d'elles comme si ces personnes étaient devant toi. Hein? Première photo. Moula. Ah, Moula. Oui, j'aime bien sa dernière chanson. Inoudouo. C'est très joli, c'est mélodieux. Elle aussi, elle a beaucoup de talent. Donc, adresse-toi à Moula. Moula, ne lâche pas prise. Continue de travailler, surtout. Le succès, c'est quelque chose d'éphémère. Ça vient, ça part. Ça peut rester comme ça peut partir, comme c'est venu. Mais quand tu es formé, quand tu as le B.A.B.A., quand tu as la base, tu peux rebondir. Donc, continue de travailler, mais bravo pour la dernière œuvre. Deuxième photo. Ayane. Ayane, elle a un style particulier. Et puis, elle a surtout un style vestimentaire très américain et tout, j'aime bien. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? D'insister, de continuer.
Hein, le chemin est long. C'est pas parce qu'on n'a pas eu le succès au premier ou deuxième album que c'est la fin. Ça peut être au cinquième, au sixième, continue. Surtout de travailler et puis ça finira par payer. Troisième photo. Parle-lui. Sarah Lise. Elle est bien, cette petite. Elle est très respectueuse. Ouais. Elle est open, quoi. Elle écoute. Parce qu'il y a des chanteuses à qui on ne peut pas donner de conseils. De conseils, ouais. Elles sont très fermées. Ouais. Alors que... Donc, parle-lui, alors. Sarah Lise, bonjour. Je suis contente qu'on m'ait présenté ta photo pour te dire que tu as du talent. Ça, tu le sais. Mais continue de travailler. Accroche-toi. Et puis, tu es sur le bon chemin. Mmh. Voilà. D'accord. Quatrième photo. Elle est plus nouvelle, non? Marie-Jo. Marie-Jo. Oui, ouais, c'est ça. Marie-Jo. Mais parle-lui, alors. Marie-Jo, elle a, je pense qu'elle a dû faire les orchestres ou les pianos-bars. Mmh. Parce qu'elle arrive à interpréter. C'est ça le plus difficile. Pouvoir rentrer dans la peau de la personne que tu interprètes. Mmh. Dernièrement, elle a fait pour avec la chanson de Reine Pélagie. Reine Pélagie, ouais. Les yeux fermés, on aurait cru que c'était Reine Pélagie. Mmh. Et ça, c'est parce qu'il y a du travail derrière. Mmh. Elle a bossé. Continue comme ça. Tu as du chemin, mais c'est fantastique ce que tu fais. Bravo. Alors, dernière photo. Oh, l'avant-dernière. Roselyne Layo. Roselyne Layo, beaucoup de respect pour ses aînés. Ça, je l'apprécie chez elle. La première fois que je l'ai vue, c'était à sa présentation d'album à l'Hôtel Ivoire. Elle m'avait invitée. Elle a repris le jour aussi, il y a 2 ans. Et c'était bien. Et à chaque fois qu'on se parle au téléphone, c'est toujours maman. C'est vraiment, il y a beaucoup de respect. Et le respect, il n'y a rien de tel. Qu'est-ce que tu as envie de le dire? À son spectacle, j'ai dit Roselyne Layo, une nouvelle étoile scintille dans le ciel de la musique ivoirienne. Continue de scintiller, continue de briller. Et puis voilà, c'est l'époque, quoi. C'est le temps. D'accord. Dernière photo, Skintich. Ah, José. Ben, José, comme je l'ai dit, il y a du boulot derrière. C'est pas sur un coup de baguette magique. Elle a travaillé. Et aujourd'hui, voilà. Elle est ouverte sur les autres musiques. Il ne faut pas se fermer. Et j'ai bien aimé ton interprétation de Le Jour. On se fait un truc, non, en studio, toutes les deux? Sur Le Jour, c'est quand tu veux. Chantal Taïba. Merci Chantal. Alors Chantal, on va passer à une autre rubrique qu'on appelle Oui ou Non. D'accord. Alors oui. Alors oui ou non, c'est très simple. Je vais te poser des questions. C'est une petite causette. Je vais te poser des questions. Tu devras répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires. D'accord. Et sache que tout ce que tu diras pourrait être retenu contre toi dans une autre émission. Plutôt que j'ai giré. Voilà. Prête? Oh, OK. Ah, ça faisait un moment quand même. Bakary. Blackout. Chantal Taïba. De toute ta carrière, est-ce qu'il y a un fait que tu regrettes? Oui. Lequel? Ah, on doit s'expliquer. Avant que moi je vienne à la chanson, il y avait les Aïcha Koné, Reine Pélagie et tout ça qui étaient là, mais elles n'avaient jamais fait d'association. Elles ne s'étaient jamais réunies pour faire des choses ensemble. Et moi, j'ai pensé que je pouvais changer la donne en réunissant toutes les chanteuses, faire un truc ensemble, mais je pense que c'est la pire erreur de ma vie. J'aurais jamais dû. D'accord. Chantal Taïba, est-ce que tu es satisfaite de ta carrière? C'est mieux. Oui ou non? Bon, on va dire non. Parce que de base, de nature, je suis une éternelle insatisfaite. Je remets toujours en question tout ce que je fais. C'est bien, mais j'aurais pu. C'est bien, mais j'aurais dû. Donc, à chaque fois. Mais j'ai fait pas mal quand même. Parce que.
En 40 ans, on va dire, de carrière, j'ai fait pas mal de pays africains, j'ai fait pas mal de pays européens, des pays où on ne va pas souvent, comme la Suède, la Norvège et tout ça. Et puis, sur les 52 États américains, j'en ai fait 10. Je pense que, bon, c'est mon caractère qui fait que je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais, mais je pense que j'ai fait pas mal. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne auprès de qui tu voudrais t'excuser? M'excuser? Oui ou non? Oui. Laquelle? Auprès de Dieu, parce que je pêche tous les jours. Lui demander pardon. Chantal Taïba, est-ce que tu considères la musique comme étant ta première activité? Oui, oui. C'est à partir de la musique que tu peux investir dans autre chose ou faire autre chose. Mais la base, c'est la musique. Et ici, quand un artiste fait autre chose, on a tendance à se moquer. Mais c'est parce qu'on ne sait pas. Parce que tous les autres artistes, que ce soit Jay-Z, que ce soit Beyoncé, que ce soit Rihanna, ils ont eu ce qu'il fallait dans la musique et ils ont investi. Parce que le succès n'est pas permanent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le succès, il n'est pas permanent. Il y a des moments où tu as le succès. Si tu peux engranger beaucoup de sous, tu le fais, mais tu investis dans autre chose. Qui fait que quand tu as des moments de baisse, tu puisses maintenir ton rythme de vie. Parce que malheureusement, on est obligé d'entretenir un rythme de vie, de faire rêver les gens. Et si demain, on te voit autrement, ça joue. Donc, il faut investir ailleurs pour pouvoir se maintenir. Et aujourd'hui, c'est le cas? Tu fais toujours de la musique? Toujours. Toujours. D'accord. Je fais autre chose, mais je fais de la musique. D'accord. Chantal Taïba, est-ce que c'est un homme qui te retient en France? Oui ou non? Ah non, non, non. J'ai été mariée en France, mais j'ai divorcé aussi. D'accord. En ce moment, ce n'est pas un homme qui me retient. Un cœur à prendre? Tu as un cœur à prendre? Non. Il est pris, il n'est pas encore vissé, mais il est D'accord. pris. D'accord. Continuez de poser vos questions à Chantal Taïba dans le live Facebook de l'émission. Elle vous répondra juste après. Merci Chantal. Merci. Il est vissé. Il est vissé comme un rempli. Champion. Alors Chantal, on veut te voir en prestation, c'est possible? Bah oui. Mais alors, Chantal Taïba, cher papa. Tout ici, les gens accompagnent. Genèse 2, verset 24. Il est écrit dans la Bible, l'homme quittera son papa, ainsi que sa maman pour s'attacher à une peau. Mais moi, j'ai remarqué, ici à Abidjan, c'est plutôt le contraire, c'est les femmes qui quittent leurs parents pour s'attacher à leur chéri. Il est quitté, c'est à partir de ce moment qu'ils deviendront une chair en Zougrou. Au moment de prendre dans cette année sentimentale, elle ne paye pas loyer, elle voit la vie au gratuit, elle donne la maison cadeau des colocataires capricieux, réfractaires au fait des payos. I'm not a man. 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 I'm not a man.
Merci à Figo, ex-membre du groupe à nous les petits, Zouglou, Youssoumba, ensemble, c'est la culture qui gagne. Merci les gars, prenez soin de vous, on les applaudit s'il vous plaît. Voilà, Chantal, on a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec toi, on te remercie. Vraiment, bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. Et puis, vraiment, les papas, merci à vous, merci cher gouvernant. On va vous laisser en compagnie de Chantal Taïba dans le Showtime d'ici là, portez-vous bien. Et puis n'oubliez pas, demain, on a Gbéré, le jour. Oui. Chantal Taïba. On chante ensemble. Sick.